Bon, eh bien salut les potes, c'est BBoyBlog974. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Death Stranding épisode 1. Nouveau let's play. Alors déjà toi qui es en train d'écouter ce let's play, qui est en train de regarder ce let's play, si tu regardes, s'il y a quelqu'un qui regarde, parce que ça se trouve il n'y aura personne. Mais si tu regardes mon let's play, pose ton portefeuille frérot. Pose ton portefeuille. Non, non, tu poses ton portefeuille. T'achètes pas de collector, d'accord? Parce que le collector il pue. 250 balles pour un bébé en plastique. Donc le jeu a intérêt à être bon. Parce que si le jeu pue la merde, je vais gueuler. Donc, tu poses ton portefeuille. T'achètes pas le collector. Et tu vas sur ma chaîne blog pour aller voir ma review du collector. Ok? Commencer le jeu au niveau de. Attends, mais il se fout de ma gueule quoi. J'ai mis normal. Ça veut dire que je veux le jouer en normal. Le jeu a intérêt d'être bon, Rémi. Hein. Parce que si le jeu il pue la merde. Si le jeu il pue la merde. Le jeu est une tuerie. Ok, bon. Storm nous dit que le jeu est une tuerie. J'espère que c'est vrai. Hein. Parce que si le jeu pue la merde. J'envoie un message à Storm. Storm! Storm! Je te fais confiance. Là, je suis en let's play là. Mais si le jeu il pue la merde, Storm. Si le jeu il pue la merde. Je te ferai une dédicace spéciale de jeu qui pue la merde. D'accord? Merci. Des niveaux de faculté Doom supérieurs ont été. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Par contre, le sound design, il claque. Hein. Bon, t'entends pas du coup parce que j'ai tout le son dans le casque, mais. Le sound design est présent. Cinématique là, ça a intérêt d'être beau. Kojima, t'as pas intérêt de me décevoir parce que ton pack collector il pue la merde. La corde et le bâton sont deux des outils les plus anciens. La corde servait à rapprocher le bien, le bâton à éloigner le mal. Ils ont été nos premiers amis dans notre invention. Là où il y avait des gens, il y avait une corde et un bâton. Extrait de Noah de Kojima. Putain. Un jour, il y eut une explosion. J'adore sa voix. Un souffle qui créa le temps et l'espace. Pour regarder l'esprit. Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui propulsa une planète dans cet espace. Un jour, il y eut une explosion. Sa voix est stylée. Un souffle qui donna naissance à la vie que l'on connaît. Je sais puis, pas en fait ce cas. Arrive à une autre explosion. De toute façon, la caméra, je peux pas l'utiliser quand je fais des. Quand j'enregistre avec la play. C'est juste quand je fais des lives. La musique est bonne. Hein. Mais si est-ce qu'on peut dégager ça parce que je suis sûr que la musique est au copyright. Moi j'ai pas envie d'écouter l'histoire, j'ai envie de jouer. Si dans le jeu c'est exactement comme ça, c'est déjà pas mal stylé. Ma PS4 elle va chauffer. Hein. J'ai beau avoir une PS4 Pro. Hein. Chef. What the fuck? Pauvre quand même. Oh, oh là là, la tantine. C'est ça qu'on. J'ai pas compris. Putain, il a buté la seule meuf. C'était une vraie meuf. Est-ce que c'est de l'acide qui tombe du ciel? Non, 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 non. Chef.
Allez, chais. Oh non, mais chier. Ok. Ah bah, le scotch que j'ai payé 40 balles, merci. Saisir la main gauche, saisir la main droite. Par contre, le sound design est violent, ça. Je suis bon. Transféré sur le dos des marchandises. Ouais, je pense que... En vrai, c'est propre. Mais par contre, si c'est un jeu en... Wow! C'est propre, ça. Ah ouais. Ouais. Ouais, ouais, je pense aussi parce qu'en vrai, ça, juste ça, mec, regarde ça, c'est stylé. What the fuck, les gars, ils ont bloqué. Hein. Il y a un truc là-bas, là, je sais pas si on va aller voir. Ouais, d'ailleurs, il y a Rim qui est à côté de moi pour ce premier épisode. Donc allez voir sa chaîne Twitch. Par contre le son il est violent. Mais je sais pas si il faut faire quoi. Les gars, je suis d'accord, vous me larguez hier là, mais moi je sais pas s'il faut. S'il faut que je vais chercher ma moto. Je sais pas, je me suis pas renseigné en fait. Ouais, j'ai l'impression aussi. Putain, mais en fait, c'est des points de track. C'est des points de track 3D comme dans Nuke. Ouais. J'ai aucune idée. À traquer peut-être un peu. Non, non, c'est des... Bah ça, c'est des points de track, gros. Dans Nuke, c'est des points de track, hein. Ouais, mais il va bien avoir un truc, je sais pas, une mission. Bon, de toute façon, ça prendra le temps qu'il faudra pour que je comprenne le jeu. De toute façon, moi, ça me prend toujours une dizaine d'épisodes avant de comprendre le jeu. Ça, c'est quoi, ça? Ok, là j'ai pris ça. Ouais, c'est peut-être ça, j'ai l'impression qu'il faut que je récupère comme des ressources. Par contre, le sound design est bon. Il y a vraiment des beaux bruits de pas, des beaux bruits de pluie. Je vais peut-être baisser justement le sound design parce que après les gens ils m'entendront pas parler. Mettre à 50 les potes. Allez, 65. Ok. Au niveau des effets, il est quand même beau. Ouais, les effets sont top. Bah après, je verrai l'histoire là, parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'il y a ça une bonne histoire aussi. Je pourrais attendre que la pluie s'arrête là-bas. Ouais, j'avoue. Ok, donc fallait aller là-bas. Ok. Alors l'épisode va être extrêmement court, les potes, parce que après je dois aller chercher ma copine, donc le premier épisode sera court. Sam Norman, bon, c'est quoi son nom? C'est Sam ou c'est Norman? On va l'appeler Fumier. Ok, donc on reste là le temps que la pluie s'arrête. Calibou! J'avoue. J'avoue. Je sais pas, Il y a un petit côté badass quand même. C'est ça, hein? C'est pas de la pluie normale, hein? C'est de la pluie acide, hein? Mais ça, c'est ça que je te dis, c'est que c'est de la pluie acide.
Y a la manette qui tremble. Attends, il y a un truc qui se passe. Qu'est-ce que qui se passe? Attends, attends, attends. Oh shit! Je crois que c'est ça la spécificité de ce jeu, c'est que les ennemis sont invisibles en fait. Mais déjà avec des ennemis visibles, je suis pas capable, mais avec des ennemis invisibles, frère. Oh shit! Oh oui! Sexy lady! Je suis sexy lady! C'est ça qu'on aime! C'est quoi ça? What the fuck? C'est quand même spécial, hein! Bah, le son est quand même assez creepy là. Comme des bruits de monstres là. Ouais, le truc a des griffes. Mais je te dis, c'est comme le film Quiet Place. C'est-à-dire qu'il faut pas faire de bruit parce que les ennemis sont invisibles, mais il faut pas faire de bruit. Ça, je te dis, check ce film-là. Je suis sûr que c'est inspiré de ça, en fait. Je me suis pas spoilé, donc... Oh, gros. C'est ça, ça doit être l'eau, en fait. C'est de la boue. Donc quand il a plu, ça doit créer de l'eau. Après ça, c'est que je sais pas si c'est un jeu de survie ou quoi que ce soit, tu vois. Parce qu'à mon avis, le truc, c'est que les deux se voient pas. C'est-à-dire que les hommes voient pas les monstres, mais les monstres voient pas les hommes. Mais ils doivent les ressentir. Ah ouais. Ça doit être c'est les monstres. C'est qui cette meuf? Qu'il y a dans le ciel. Ouais, je vois. Ok. Ça met dans l'ambiance. Stylé quand même. De toute façon, il va falloir qu'on s'arrête. Là. Qu'est-ce qui vous prend? J'ai serré trop fort, désolé. Squeezie? Vos yeux. Mais je vois plus rien, c'est éteint. Alors, vous avez le Dooms, comme moi. Vous avez l'air d'être plus atteint. Ouais, il est 2h20. J'ai le facteur d'extinction. Quel est votre niveau? Vous arrivez à les voir? Non, mais je peux les sentir. Niveau ouais, de mais Dieu, alors. Il a le Doom. Qu'est-ce que vous faites Doom. Là? J'essaie de rester au sec. Tout comme vous. C'est quoi le Doom? Une précipitation. Je m'appelle Fragile. Je m'appelle Fragile. Je sais qui vous êtes. Yes! Tiens donc. Bon! Ah, ça doit être un robot. Hein. C'est Sam Porter Bridges, c'est ça? C'est vous l'homme des livraisons. Ouais. Bon, les potes, cet épisode va se terminer là. De toute façon, je vais lancer plein d'épisodes tout d'un coup. Donc, on va se retrouver pour un prochain épisode. Épisode 1 de Death Stranding. Ce sera peut-être même l'épisode 0, le prologue. Je pense que cette série va être du sale.
J'espère juste que ça va faire des vues. Merci à vous et à la prochaine. Tchuss, c'était Block.